Salut à tous, c'est Reaper de la Team Arxine, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un peu la voix cassée. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo sur le FV 4005. Dans cette vidéo, vous découvrirez la reconversion professionnelle de Foxtrot dans le BTP. Le bricoleur! Je cherche un truc assez avec des lignes assez droites ou un truc arrondi. Question. Bah de cette colline là. Attends, bah je viens avec toi, moi je suis un gros obusier. L'arbre, allez là. Il pèse combien de trucs? Il pèse combien de tonnes? C'est marqué où le poids? 60 tonnes, tu vas pas me dire que t'arrives pas à péter un palmier? Tiens dans le palmier, t'inquiète pas. Ouais, mais je vais pas tirer dessus avec un FV 4005. Alors oui, il est encore amateur, hein. D'ailleurs, faudra dire à son collègue qu'on ne peut pas résoudre tous ses problèmes dans la vie à coup de 183 mm, hein, même si c'est vrai que ça serait assez jouissif. Mais dans cette vidéo, vous découvrirez aussi une partie intime de la vie de Foxtrot. Aïe, ah. Alors Foxtrot, t'en penses quoi de mon intro? Oh là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est juste plus possible. Non mais attends, s'il te plaît, attends. Il y a encore une superbe compile de kills qui arrive. Je pense qu'on est d'accord, hein, ça fait déjà plus sérieux. Et on passe tout de suite à du vrai gameplay, bien tryhard, mais avec du fun toujours bien sûr, voilà. Donc bonne vidéo, et si t'es encore là, bah abonne-toi. Hein. Les temps changent. Ouais c'est ça, avant t'es lanceur de HE, bah t'avais le type 75 SPH et ça s'arrêtait là. Maintenant t'as des M109, t'as... Ouais par contre ça c'est cher du coup, parce que ça fait une ou deux parties. Alors qu'avant, quand tu voyais les japonais en face, tu fais... Ah je vais avoir... Aïe, ah face, que tu fasses attention. Et bah j'ai eu chaud. J'ai tanké un tir et j'en ai esquivé un autre. Bon alors je ne vais pas repique ici. Hein. Non ! Pourquoi ? Oh non ! Oh là là, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. J'en ai marre, je suis dégoûté ! Un avion sitôt, je me dis que si tu tombes sur cette map en simulateur, la colonne de chars que tu peux te bombarder. Et regarde le T2 qui vient de se libérer là-bas. Ah, elle vient de nos clips dans les backrooms. Oh oh, y a un type juste derrière les baraques ici. Juste là, là. Oh! Comment ça, coup critique? Derrière. Comment ça, derrière? Ah! Je vais mourir. J'ai eu son canon. Ah, mais l'avion de con là! Bande de wesh. Gros fils de... Je te rejoins juste deux secondes, hein. Eh ben y'a trois chars qui viennent. T1, hein. C'est juste plus possible. Et flûte. Je vais essayer d'aller me mettre aux alentours de cette colline. Attends, bah je viens avec toi, moi je suis un gros obusier. L'arbre, allez là. Il pèse combien de trucs? Il pèse combien de tonnes? C'est marqué où le poids? 60 tonnes, tu vas pas me dire que t'arrives pas à péter un palmier? Tiens dans le palmier, t'inquiète pas. Ouais, mais je vais pas tirer dessus avec un FV 4005. Tu sais quoi, changement de plan, je vais passer à gauche de la colline. Comme ça j'aurai moins de problèmes de dépression. Où sont les méchants? Bon bah, c'est bon, on va derrière. Oh, j'en vois un. Skip, t'en as un à côté de moi. Ah oui. Bah, y'en a... Let's go! Oh flûte. J'ai de mourir dû à une mitrailleuse.
Le BT, il est pas du tout là. Il y a un tigre 2 sur moi là. Bah, le BT, ouais, hein. Partir du moment où t'es amphibie, Ils ont remodifié la hache, mais n'empêche, j'ai déjà tiré sur un flanc de panthère et l'obus il s'est vaporisé. Il y a des fois ça marche très bien, mais alors si tu tires sur des jupettes de protection, y a plus rien. Hein. Ah, parce que moi dans mon souvenir, je me souviens vraiment que je faisais que de la merde avec ça. Et là, je vais des bons hits, hein. Alors, je vois une shot à chaque fois. Quoi. Il y a une carcasse qui est tombée ici, je me demande comment il a fait l'IS2 pour tomber là. Il s'est pété la gueule, waouh. J'ai glissé, chef. Finalement, peut-être un an après, mais 50 balles se rentabilisent... Non, tes 50 balles ne se rentabilisent pas. Qui m'a tiré dessus? Il est où, je suis derrière. Là. Je suis loin derrière, mais... C'était un bocan, j'ai tanké deux obus de bécan. Sacré tourelle. On a pas, j'ai voir son visuel. Mais pourquoi on va tout pas avoir le croisement? Il arrive. Tube du canon là-bas, c'est quoi, je vais le rush. Ah yeah. Ah je suis content, la nave est arrivée dans Pas-de-Calais. Tiens, le jeu il m'emmerde. Et il neige pas? Non, dommage. Ça fera mieux cette nuit alors. Oh oh. Il a récupéré son canon lui. T'inquiète pas, je. Ah, il va mourir. Je sais pas combien de fois que je me prends des passes d'aviation et la Ma chenille a pété. J'ai fait la munition du Tigre 2, mais ma chenille a explosé. Oh 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 oh. Du coup, je vais pas faire grand chose. Oh, il y a un Yak Tiger. Il y a quelle distance? 600 mètres au moins. Oh, il y a un mec aussi. Je l'ai eu. Il y a un Yak Tiger juste à côté de lui, 600 mètres. Ah, j'ai rien dit. Il y a plus de Yak Tiger. Putain, non mais attends, le télémètre il me dit 300 mètres. Je tire dessus, il est pas du tout à 300 mètres. Il y a 6. Il est où? C'est quoi comme char? Il est où? Ah, il y a 6. Il y a 6. Oh, c'est méchant. Il y a un 15 en 10 mètres. C'est encore plus méchant. Je l'ai annihilé, désolé. Un char à ma droite aussi. Ah, bon, tu sais quoi, tu vas réparer tout seul. N'y vois rien de personnel. Tu sais quoi, je passe à gauche du bâtiment. Oh putain. C'est rigolo. C'était le seul endroit intéressant de la map. Je vous accompagne. Ah, sympathique. C'est la tourelle. Feu de paix. Oh, dis donc, il est beau. Par contre, ça me fume, c'est genre le... Ah bah moi, je suis sous le canon en plus, c'est parfait. C'est excellent. Le FAV, c'est un. Oh, un là-haut, là-haut. Me poussez pas, s'il vous plaît. Je crois qu'elle est distanciée. Raté. Oh, le SU-100. Oh, moi aussi. Ouais, vengeance. La pompe, c'est quand t'es pas en top tier. Avec des charbons de la longue distance, juste sur des grandes maps. J'ai eu la Fiat. Il y a encore une Fiat. Je me barre d'ici, genre vite fait. Non, rectification, il y a un T32. Ah, rigolo, ça va être T32, hein. C'est pas la fondée. Commandant chargeur. Je suis en chariot tir, si je me. Si un obus me touche, je meurs. Apparemment, le T32. Oh, la marche arrière anglaise. C'est la merde. Je sais pas si c'est un P8 ou un B17. Adieu. Ricochet, comment ça ricochet? Oh. Le snipe pilote qui s'est pris. Coup avec un obus qui perd du 200 mm. Oh, c'est triste. Bon bah voilà. On va pouvoir retourner en 6-3, hein, ce sera mieux. Ou en 6-0 à la limite, mais bon, 6-3 c'est pas rigolo. On était pas en 6-3 là? Non, on était en 7-0. Ah oui, à cause de son... Ah bon, putain. Quoi? Ouais. Ah bah là on parle, il y a beaucoup de barrières quand même dans cette histoire, mais bon, on va pouvoir faire des trucs. De toute façon avec ce truc, c'est à partir du moment où tu tires, si l'autre y crève pas, t'es mort. Dans un pack... Tu l'as eu? Tu l'as pas eu? Pardon, j'essaye de stabiliser, il est où? Il y a un... Putain, Enter F. Ah, c'est embêtant ça, j'en vois un.
Désolé. Il y a un tigre 2, je vais faire attention. Ah oui, d'accord, oui, bon, je lui ai rien fait, je lui ai tiré dessus, ça a rien fait. Ouais, désolé de t'avoir bloqué. Ouais, j'ai un petit angle super sympathique pour les voir arriver, là. Et pourquoi il y a un bug? Le mec dans le VV4005, à la fin du rechargement, il dit armor piercing là où il est. Ouais, il va pas dire j'ai eu le tigre. Ah oui, mais c'est une hache, c'est pas... S'il y a personne devant, c'est le moment de rush. J'ai fait toute la tourelle. Il est mort ou il est juste en feu? Non, il est là. Il a mis le smoke. Boop. Avec la partie. Derrière nous, il y a moi. Comment ça coule? Non, je suis deck, ça a tapé le canon. Non, j'ai mis le camo désertique sur le Black Prince. J'ai vraiment pris un camo désertique. Oh, c'est cool. J'ai vraiment pris un camo désertique, c'est cool. Bon bah effectivement, je suis... Oui, bah j'ai alors, plus qu'à rush le spawn. Et la randonnée alors? C'était sympathique, je marchais, le tireur marchait à côté du char pendant que le conducteur conduisait. Oh non, alors où est-ce qu'il va se ramener? Est-ce qu'il va venir tous derrière nous? Bon. Oui, il va aller me taper. Hop, un kill. Ouh. Oh, un tigre qui vient de spawn, on va rire. Tigre 2? Non, tigre 1. Tigre E. Ah, y'a plus que moi au spawn kill. Yes, let's go. Je vais faire un tigre. Oh, je suis en train de faire récompenser avec T28. Il m'a percé. Dinguerie. Il m'a percé au niveau de la tourelle. Ah ouais, mais je sais. Ah, oh oh. Oui, bah je peux pas bouger. Ouh, j'ai traversé toute la map pour me manger une bombe. Nice. Ah oui, né en 6-7. On va rire. Tigre 2, faut garder en tête, c'est... c'est les flancs. Ah, mais ce qui m'inquiète, c'est que là, s'il y a quelqu'un qui flanque avec nous, et bah, on pourra pas lui mettre de pruneau s'il est derrière le mur. En plus, comme on est un immeuble, on est assez facile à toucher. Ah bon bah, d'accord. Il est où le type 75? Ah, je le vois. Il est mort. Pas à cause de moi, mais... Il est mort. Oh bon, cette game, ça va être perdu. Hop, t'es 34 headshots. Oh, j'ai plus qu'à patienter 40 secondes. Hop, obus chargé, on y va. Petit. Oh. Oh, c'est pas vrai. Oh. Il a raté. Bah, il roulait tranquillement, puis il décide de s'arrêter au moment où je tire, et du coup, mon obus passe devant lui. Bah, du coup, j'ai deux cibles qui attendent patiemment de recevoir un 180 mm. Allez, quand même. Recharge. Oh. C'est toujours extrêmement marrant. Ouais. Ouais, salut. Tada. Pom 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 pom. Même pas toucher le... Oh le pauvre. Oh oh.